L'ennemi d'un Africain, c'est un Africain. C'est pas des balles. L'ennemi d'un Africain est un Africain. Et le plus grand sorcier au Cameroun, c'est Malox. Il dit ça, Hora, ici un Ivoirien, il vit dans un beau pays. C'est pas mon problème. Ici un Ivoirien. Et nous, quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. Malox, c'est un grand sorcier. Le vieux père Lactis, presque aimé, ça fait plus de 20 ans après son son là, il souffre au Cameroun. Tu as le boivement au Cameroun. Tu n'as jamais invité le gars à venir faire même première partie, même chanter 2 secondes dans ton boivement au Cameroun. Mais comme Debado, ton frère africain, ton frère artiste africain, a fait un petit mouvement sur le son du grand frère, Prince Aimé, ça a pris, c'est devenu mondial, ça a pris. C'est là quand tu sors, tu dis non, non, Debado veut voler la chanson de Prince Aimé. Le vieux, tu es sorcier, hein? C'est sorcier, hein? C'est là, toi, Malox, tu sors, tu dis, tu vas réunir 5 grosses têtes camerounaises pour faire le remix de Viviane. Parce que pour toi, si Debado fait, c'est méchant. Mais tu oublies que dans la ville, c'est les deux mecs qui se lavent. Les Camerounais peuvent aussi soulever un artiste ivoirien. Les Ivoiriens aussi peuvent soulever un artiste camerounais. La preuve en est, l'artiste ivoirien Mewé a chanté pour le Cameroun. Est-ce que tu as vu un Ivoirien se plaindre pour dire que pourquoi Mewé a chanté pour le Cameroun? Nous sommes tous Africains. Et toi, elle est Camerounais, mais nous on a soulevé et tout. C'est pas parce qu'il a marié une Ivoirienne, mais c'est parce que c'est une légende africaine. Malo, c'est un sorcier. Si c'était moi, nous Ivoiriens, on va dire à Debado, il n'a qu'à enlever son pied dans le fait de Viviane là. Faut faire. Faire. C'est mieux. Parce que vous allez faire, le monsieur va rien gagner avec son son. En 2004, d'après certains Camerounais, en 2004, on dit le Toto, il a moussé en 2004, en 2005, en 2002, il a moussé. 20 ans après, son son a disparu. Debado est venu la faire, mouvement, c'est devenu mondial. C'est là que tu sors, tu viens, tu fais un poste en disant que Debado veut voler la chanson du monsieur. Pourtant, Debado a dit, il a demandé la permission au monsieur. Quand c'est devenu buzz, il a demandé la permission au monsieur. Est-ce que je peux remixer ton son? Le monsieur a donné son OK. C'est là que tu sors. Tu dis, tu vas réunir 5 grosses têtes pour faire remix. Pendant ce temps, les Lady Ponce, il y a des artistes camerounais qui sont là. Ça fait plus de 20 ans, 15 ans, on ne les voit plus. Tu pourrais prendre leur vieux son pour remixer, pour les booster. Mais tu es sorcier. Tu es mal sorcier, champion. Il te parle comme un petit Ivoirien. Le jeu est au Cameroun là. Faut me dire, faut faire ce que tu veux, mais il te parle comme un Ivoirien. Chez nous, on est passé. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est bleu, c'est bleu. Et puis tu peux rien créer parce que tu es un sorcier. Tu es un sorcier, tu es méchant, ton cœur noir. Tu ne veux même pas la réussite même de tes frères. Parce qu'un Ivoirien veut encore donner un peu de visibilité encore. Il a déjà eu la visibilité avec la chanson. Mais 20 ans après, ton frère africain ivoirien veut donner encore de la visibilité encore pour une deuxième chance à la chanson. Le tonton qui souffre là, il va manger un peu encore là. Toi, tu viens saboter, tu viens détruire, sorcier. Il comprend pourquoi? Il n'a jamais fait de concert en dehors du Cameroun. C'est-à-dire, les autres Camerounais qui sont au Cameroun, ils viennent remplir les vraies salles, les vraies salles à l'international. Il comprend pourquoi tu tapes pour tout. Tu es mal sorcier, mais les Camerounais, lui là, méfiez-vous de lui, hein. Il ne veut pas le bien des Camerounais. Il ne veut pas le bien des Camerounais. Il ne veut pas le bien des Camerounais. Puis il dit ça, oh, comme un petit Ivoirien. Nous, quand c'est clair, on dit que c'est clair. Puis, il ne peut rien créer parce que c'est un sorcier. Il ne veut pas le bonheur des Camerounais. Il ne veut pas le bonheur des artistes camerounais. Il ne veut pas le bonheur de la culture camerounaise. Il ne veut pas l'évolution des artistes camerounais parce que lui, là, c'est un sorcier. C'est maintenant, tu sais que le Toto Prince Aimé ou le grand frère Prince Aimé existe. Sa chanson Viviane existe. C'est là tu vas, toi Malox, toi, tu vas réunir 5 grosses têtes. Faire le mix de cette chanson. Debado, laisse ça dans la main de Malox. N'a qu'à réunir ses frères camerounais. Comme toi, tu es un Ivoirien, tu n'es pas bien placé pour faire le remix. Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, on est ensemble. C'est pas parce que si Ivoirien, c'est fâché. Hein? Mais je suis fâché étant un Africain. Parce que Malox est en train de saboter le vieux père Prince Aimé. Il est en train de saboter. Ça là, c'est fini. Hein? Ça là, c'est dans les mouns. C'est fini. Ça là, c'est fini. Buzz, c'est fini. Nous, on voulait que non. Soit. T'avais que le tonton donnait le OK à Debado, il soulevait le son. Nous, Ivoiriens, on allait soulever le son. Le tonton allait tourner partout encore. Mais Malox dit qu'il est sorcier, il s'est déclaré qu'il est sorcier. Bibi, j'ai parlé. Fompa. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe? Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde? Vous voulez gagner de l'argent?
avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 euros pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de remédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible, bien sûr, par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc, je vous attends nombreux et les places sont très, 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 très limitées. Donc, à très bientôt.